Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute vidéo sur Life After. Nouvelle vidéo déjà. Bah, on vient de finir actuellement la mise à jour, l'event, etc. Et je viens de voir, j'ai été téléporté parce que du coup on a les nouveaux coins, etc. Mais ça, je vous en parlerai plus tard en vidéo. Donc, ça c'est le nouveau camp, mais pareil, j'irai le découvrir en vidéo. Là, je vous fais juste une vidéo sur l'event. Et voilà, parce qu'il y a d'autres trucs, du coup, il y a plein de nouveautés. Mais ça, je vous en parlerai du coup dans d'autres vidéos, on ira checker ça. Donc, on a un petit skin route pure, qu'est-ce que ça donne, l'émote? On va voir ça. Ah, il y a le skin. Skin égyptien qui est sorti. Déjà, j'espère qu'il n'y a pas de bug sur l'émulateur. Ok, j'aime bien la tête en vrai. J'aime pas trop le skin. Bon, les goûts, les couleurs, hein, comme d'hab. Et le skin pour mec, comme d'hab, c'est un grand manteau, une grande toche. Toujours pareil. Toujours pareil pour mec. Hein. Pour meuf aussi, ceci dit, pour une fois, ils ont mis un décollant. D'habitude, il la laisse. Voilà quoi. Et hop, alors, est-ce qu'on a beaucoup de. Ah, oh, on a beaucoup de trucs dans les notes. Plan du nouveau camp. Qu'est-ce que c'est que ça? Nouveau plan de camp, venez soutenir votre camp. Donc ça c'est la statue du maire du camp du coup. Participez à une patrouille de camp aujourd'hui, partagez cet événement aujourd'hui, prenez une photo de la statue, mangez un repas, réclamez un coffre. Non mais faut jouer au jeu en fait. J'avais oublié que la description du clan c'était Yo la famille. Évidemment. Okay. Par contre attends, ça me sert à quoi ça? Point du clan nouveau camp pour gagner des points. Classement. Ok d'accord. Bon, on a un truc de fusion, ça je vous dis, il est 11h50, j'ai quand même la date, je vais aller bouffer. Mais j'ai qu'une hâte, c'est de faire les tirages de formules et tout. Clairement. Donc voilà, donc on a évidemment un truc de. J'ai une tépo manoir juste pour vous montrer. Je vais essayer de pas trop me spoil et de pas trop regarder du coup les alentours qu'il y a. Parce que je vois que c'est vide, mais du coup je pense que bah, la mise à jour vient de finir. Du coup, il faut que les gens peut-être déménagent et se rapprochent de l'emplacement tout simplement. Ah, est-ce que ça charge plus rapidement ou moins rapidement qu'avant? Ça a l'air d'être le même chargement qu'avant. Je suis ni déçu, ni étonné. Même chargement qu'avant. Ok, comme d'hab. Et voilà. Alors, je me fais pas spoil, on regarde pas le contour du truc et tout. Et qu'est-ce qu'on a du coup? Bon, on a évidemment une fusion exclusive. Hein. Qu'est-ce que j'ai hâte de faire le tirage? Qu'est-ce que j'ai hâte? Et on a du coup, si j'ai pas bêtise, on a moins 50% du coup tous les jours. Enfin une fois par jour, et voilà. On a un arbre des souhaits, ça je sais pas ce que c'est. Vous aurez 3 chances pour réserver des souhaits chaque jour du week-end. La phase d'irrigation, il y a une chance d'obtenir des objets de différentes qualités. Toutes les récompenses reçues pourront être réclamées dans la phase de récolte du vendredi, n'oubliez pas. Ok, d'accord, on l'arrose où? Aucune idée. Bon, le truc dans le jeu sportif, ça on va le passer du coup, vous savez, hein, faut juste, de toute façon c'est écrit, couper 5 arbres, juste en mesure. Là vous avez les coffres que vous avez aujourd'hui, là vous avez la récompense de demain, au cas où demain vous avez la flemme d'ouvrir le jeu. Et voilà, ensuite on a un concours de pêche. Un concours de pêche, c'est tellement chiant à faire, vraiment, genre... Je sais plus qu'est-ce que ça donne du coup. 3 étangs, blablabla, parler au PNJ, le défi sur 8 minutes, plus nombre de poissons, plus le score est élevé, la récompense en donnant en fonction du score. Ouais, bah ça on va pas le faire, hein, clairement. Il y a un Lucky Draw, du coup un tirage de fortune avec dedans, on a du LSS, on a le skin DJ qu'on peut même pas voir d'ailleurs, incroyable. On a une aérosol de bélier, ok, on a deux skins à coloris différents que je trouve sympa, j'aime bien ce skin déjà de base. Mais coloris différents, il est relativement cool, on a la mode event, des formules à charme, ok. Et voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a? Station de recherche des formules fusion exclusive, bonus disponible. Ah, je peux choisir genre... Attends, comment ça marche ce truc? Pendant l'événement, les joueurs peuvent dépenser des objets comme des fragments de formules et des lingots d'or pour participer au tirage. En participant aux événements du marché d'entraînement, les joueurs peuvent échanger des bons d'achat de formules exclusives qui ne peuvent être utilisés que sur la page d'événement. Ils peuvent être utilisés à la station de recharge de formules et seront récupérés à la fin de l'événement. Les formules à haut taux de réussite seront disponibles au hasard. N'oubliez pas de vérifier instructions pour l'utilisation lorsque le camp est sous un état de cohabitation. Les joueurs peuvent participer normalement. Ok.
Bonus disponible. Et ça, c'est, du coup, c'est des bonus pour ça, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est le fusil de chasse en forme de revolver d'édition collector. Ok. Mais écoutez, je verrai ça plus tard. Après, on a le truc d'entraînement, hein, toujours basique. Hop. Je vais inviter ma coloc. Et après, dans le marché des meubles, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un gacha, qui est un gacha, ma foi, classique. Je vais checker le magasin de meubles en speed. On a ça également, mais ça, je ferai une vidéo, du coup, sur les lucioles qui font leur apparition dans le jeu. Et après, on a full papier peint. Ok. Ok, ok. Rue d'arcade. Bah, j'imagine, ouais, voilà, on a des gachas. On a un petit gacha avec le skin égyptien. Oh, cool. Déjà un papier peint. Petit skin égyptien, du coup. La tête ressemble à ça. Le skin ressemble à ça. Ça fait les modes d'un chat. Voilà, qu'on voit pas, évidemment. L'émote est ultra stylé, je kiffe la tenue. Dedans, il y a également un truc de... Tu sais, les formules plus pour le DSA, les petites formules free to play à 5 millions de gold. Qui régale, il y a des formules à shard également, il y a des jacuzzi. Il y a des tenues à coloris différentes, comme d'hab. Ils ont compris que ça marchait, hein, du coup, à chaque mise à jour, ils nous le font le coup. Et je crois que c'est tout. Eh, le truc, il a... Attendez, le shop, il a changé? Shop, il a changé. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des lingots d'or, des dollars, des formules à shard. Ok. Ah, ça a totalement changé en fait. Incroyable. Incroyable, incroyable. Ah oui, ça. On peut même en acheter en Fed. Ah ouais. D'accord. On peut même en acheter en Fed, incroyable. Putain, ils sont intelligents. Putain, du coup, ça, ça a changé. Ok. Supermarché du crédit, y a quoi dedans? Ok, d'accord. Rue d'arcade des souhaits, donc là on n'a pas de nouveautés, j'ai l'impression. Ça c'est toujours pareil. Ok, ok, stylé. Stylé, stylé. Est-ce que là on a des. Ouais, donc il y a le DSA et pareil, je ferai une vidéo là-dessus. Fond d'espoir, booster. Donc ça c'est les trucs quand vous aidez les anciens joueurs. Et ça on l'avait déjà avant. Alors, est-ce que magasin de meubles. Je vais essayer de pas me spoiler, hein, parce que j'ai pas envie de vous spoiler là dès le début de la vidéo. Et j'ai pas envie de me spoil pour aussi découvrir ce que ça va donner. Mais du coup, est-ce que le magasin de meubles, on a des meubles? On n'a pas de meubles. C'est trop stylé! Comment je fais pour trouver le nouveau magasin où on a... Je vais partir du principe qu'on n'a pas le... qu'on n'a pas les meubles. Putain, l'endroit est vachement stylé. Ah bah de toute façon, on n'a pas les meubles, regardez. On a effectivement pas les meubles, y'a toujours rien dans ce truc là. Y'a toujours rien dedans, du coup ça a pas été mis à jour. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, du coup c'est tout pour l'event. Y'a pas mal de choses à faire quand même, mine de rien. Et oh, mon chien il a un cadeau, wesh. Ah bah il est timide, ok. Il est timide. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous abandonne là-dessus, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Nelos qui fait des tirages incroyables, GLAL. Et voilà, amusez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine, salut, salut, bye bye.